À Annabelle de Catherine Anne. Avant de commencer la lecture de la pièce de théâtre, je vous propose de regarder un instant la quatrième de couverture du livre. Il faut donc retourner votre livre. Vous y trouvez une petite présentation de la pièce ainsi qu'une présentation de l'auteur. Donc il est inscrit auteur, metteur en scène et comédienne Catherine Anne. Après sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Paris, a conquis très vite son public et démontré son talent avec sa pièce Une année sans été. Depuis, elle n'a cessé d'écrire pour le théâtre et de mettre en scène ses textes. Elle est l'un des jeunes auteurs français les plus joués en France et à l'étranger. Donc, les mots que vous pouvez retenir ici concernant l'auteur sont les mots auteur, justement. Alors, lorsque l'on écrit des pièces de théâtre, on parle de dramaturge. Donc, l'auteur de pièces de théâtre est un dramaturge. La deuxième expression à retenir est l'expression metteur en scène. Pourquoi? Parce qu'une pièce de théâtre est avant tout un spectacle conçu pour être vu sur une scène avec des acteurs, des décors, des jeux de lumière. Du bruitage éventuellement, pourquoi pas même des odeurs particulières. C'est un spectacle vivant. Une représentation dure environ 1 heure et demie, 2 heures. On apprend également que Catherine Anne est comédienne. Il s'agit donc d'un auteur qui écrit toujours de nos jours et qui, peut-être joue toujours la comédie sur les planches. En tout cas, elle est connue autant en France qu'à l'étranger. Alors, prenons maintenant la première page, donc où est inscrit le titre, à Annabelle. Il est indiqué en dessous brève pour trois. Une brève, comme vous pouvez l'imaginer, est une pièce de théâtre très courte. On s'en rendra compte après, en feuilletant un petit peu le livre, nous verrons en quoi cette pièce possède les caractéristiques d'une brève. Donc une brève, une pièce très courte. À la page suivante, nous avons la présentation des personnages. Donc trois personnages ici, Louis, Agathe, Anastasie. Donc, la première remarque que vous pouvez faire concerne le titre de la pièce. Annabelle, vous voyez ici qu'elle ne figure pas dans la liste des personnages qui seront représentés sur scène. À la page suivante commence donc la pièce de théâtre. Comme vous le savez déjà sans doute, au tout début de la pièce, en italique, figurent des indications. Lisons-les ensemble. Deux femmes effondrées dans un grand fauteuil, l'air sent la cannelle, un carillon retentit, les femmes se redressent, entre un homme. Dans un roman, vous le savez, c'est un narrateur qui raconte l'histoire. Au théâtre, il n'y a plus de narrateur. Ce que vous voyez en italique correspond à ce que l'on appelle des indications scéniques. Des indications de mise en scène qui sont précisées par le dramaturge, c'est-à-dire par l'auteur de la pièce de théâtre. Ici notamment, on nous indique où se situent les personnages, quels sont les éléments du décor, quels sont les personnages également en scène, éventuellement les bruits, un carillon retentit, vous savez qu'un carillon correspond à des cloches. Nous avons également une indication concernant les odeurs, l'air sent la cannelle. Donc tout ceci, toutes ces indications que l'on appelle également didascalie, devront être prises en compte par le metteur en scène lorsqu'il mettra en scène, lorsqu'il représentera sur scène la pièce de théâtre. Il faudra exactement reproduire ce que le dramaturge a imaginé comme décor, comme déplacement d'acteurs, comme positionnement des personnages.
Comme je vous l'ai dit donc, pas de narrateur dans une pièce de théâtre. Le lecteur ou le spectateur comprend quel est exactement le sujet de l'action à travers les dialogues des personnages. Donc vous voyez ici la succession des noms, Louis, Anastasie, Louis, Anastasie, Agathe. C'est à travers les dialogues que l'action avance. Autre remarque qui vous sautera sans doute aux yeux, si vous parcourez un petit peu la pièce, tournez les pages, vous verrez qu'il n'y a pas de découpement en actes. Souvent, une pièce de théâtre est découpée en actes et chaque acte est découpé en scène. Ici, comme il s'agit d'une brève, c'est-à-dire d'une pièce de théâtre très courte, nous ne retrouvons pas ce découpement en actes et en scène. Donc, si vous souhaitez prendre des notes afin de résumer la pièce, vous pouvez par exemple vous arrêter tous les 10 pages, toutes les 10 pages pour prendre en note quels sont les personnages, l'action principale, éventuellement les décors. Alors, commençons la lecture. À chaque changement de personnage, je n'indiquerai pas forcément qui parle. Donc à vous de suivre avec votre livre. Bonjour. Vous êtes beau gosse. Beau gosse. Lui? Oui, Louis. Qui ça, lui? Mais moi? Vous êtes demeuré? Non, non, j'arrive à l'instant. Je suis très en retard, je sais. J'ai couru, couru. Vous n'avez pas de voiture? Non. Aucun moyen de transport? L'amour. Il se peine aux têtes. Pas du tout. Qui êtes-vous? Beau gosse, Louis. Louis, beau gosse. Je viens pour mon mariage. Quel mariage? Avec Annabelle. Annabelle? En êtes-vous sûr? Adèle, oui. Et du mariage aussi. Dans moins d'une heure, ce sera conclu. Ah, et nous vivrons heureux, avec beaucoup d'enfants. Annabelle n'est pas prête? Pourquoi me jetez-vous si fixement? N'ai-je pas sonné à la bonne porte? Cité des merveilles, bâtiment 3, entrée B, septième étage, porte bleue? N'est-ce point ici? Me serais-je gouré? J'ai tellement couru. Je me sens sonné. Monsieur est très coureur. Mais pas du tout. Où est-elle, Annabelle? Regarde-nous. Ne la vois-tu pas? Qui? Annabelle. Mais non. Prends ma bouche. Mon nez. Mon œil droit. Mon œil gauche. Ma gorge. Mes pommettes. Mon sourire. Mes sourcils. Le lobe de mes oreilles, la couleur de ma peau. Malaxe le tout, pétris, laisse bien reposer. Alors tu la verras. Annabelle, nous sommes ses sœurs. Chacune porte un des traits d'Annabelle. Annabelle a des sœurs. Les sœurs, ce serez vous? Mais pas possible. Annabelle est si belle. Et vous êtes Agathe, Anastasie. Ah, Annabelle ne m'a jamais parlé de vous. Elle se moque de ses sœurs. Ça fait mal au sein. Oui, elle a toujours été atrocement nombrilique. Alors, nombrilique, comme vous pouvez le constater, par la formation du mot, on retrouve le nom commun nombril. C'est une personne qui regarde justement son nombril, qui est très égocentrique, c'est-à-dire tournée vers elle-même. Elle a toujours été atrocement nombrilique. Oui, mon Annabelle, un monstre. Oui, j'irais même plus, hélas.
Pas de regret, beau gosse? Mais aucun regret. Je la connais, mon Annabelle. Elle incarne la générosité, la bonté, la beauté. Vous faites erreur. C'est vous qui faites erreur. L'erreur de votre vie. Où est-elle? Votre vie, Louis? Annabelle. Ah, Annabelle. Qui peut savoir? Je l'épouse dans moins d'une heure. Nous n'étions pas avertis. Sûrement qu'elle va venir. Si j'étais elle, moi, je n'oublierais pas mon mariage avec vous, beau gosse. Vous êtes très aimable. Ah oui? Et moi? Où est-elle? Et qui? Annabelle. Ah, Annabelle. Dans sa chambre? Peut-être. Pourriez-vous m'indiquer sa chambre? Monsieur, un peu de tenue. Pitié. Nous sommes demoiselles, nous. Mais je ne pensais pas, n'allez pas croire que. Ah, ne vous enfoncez pas. Je veux seulement la voir. Vous l'aurez, si Dieu veut. La voir, la regarder. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Comme il est nerveux. Très nerveux. Nerveux, oui, je me marie. Je ne me marie pas tous les jours. Ah, nous non plus. Je me suis perdue, j'ai couru, j'arrive en retard. Et Annabelle n'est pas prête. À force, mon cœur s'affole. Mettez-vous à ma place. Ah non. Et puis, je tombe sur vous, les deux sœurs. Si tu tombes, c'est une chute. Je ne comprends pas qu'Annabelle ne m'ait pas prévenue. Contre nous, de votre présence, de votre existence. Oui, elle est moche. Trop tard pour lui en vouloir. Elle a presque perdu la tête. La pauvre. Moi aussi, je perds la tête. Ah là là, le mariage. Asseyez-vous, beau gosse. Pardon? Assois-toi. Merci. Oh, il est charmant. Un prince. Bien dodu. Anastasie. Je me sens tout émue. Moi aussi. Oh, il n'y a pas de raison. Oh, si. Un fiancé tout frais. Un fameux beau gosse. Oh, fameux, fameux. Ah, si, si, fameux. Nous avons déjà l'eau à la bouche. Ah. Déjà, vous avez l'eau à la bouche. Beau-frère. Et que fait-elle? Qui? Annabelle. Ah, Annabelle. Ah, elle se peaufine. Oh, elle a la peau fine, oui. Elle doit être collée à son miroir. Une très, très coquette, notre petite sœur. Pas comme nous. Eh oui. Pourquoi riez-vous, beau gosse? Oh, pardon. De qui tu ris? Je ris de joie de l'imaginer si belle en ce miroir. Je ris parce que je suis ému, bouleversé, heureux. Que dire? Je ris, je ris, je ris parce que c'est le meilleur jour de ma vie. Peut-être. Tout pétille en dedans. Je meurs d'envie de voir Annabelle. Je n'y tiens plus. Je brûle. Je frétille. Et vous n'êtes pas sur le grill. Pardon? Oh, il n'y a pas le feu. Quelle tendreté il a. Tendresse, Anastasie. J'ai faim. Annabelle! Ouh! Devine qui t'appelle. Elle ne vous répond pas. Non, elle doit finir de préparer sa surprise. Quelle surprise? Je ne sais pas, c'est une surprise. Ah! Annabelle m'a demandé de venir ici, juste avant la cérémonie, pour faire une surprise. Quelle garce! Pardon? Oh, quelle gracieuse idée! Elle voulait l'exhiber avant de l'épouser. Oh, j'ai le cœur qui bat. Tant mieux. Ça ne durera pas. L'heure approche. Il y a longtemps que vous voulez épouser notre petite sœur? Ah oh oui, quelle idée. Ça ne se fait plus.
Je l'aime. Quelle idée! Ça ne se fait plus. Ne pourriez-vous pas aller lui dire que je suis arrivée? Tu t'ennuies, Louis? Mais non, nous ne vous ennuyons pas. Non, mais à la mairie, nous avons rendez-vous dans peu de temps, figurez-vous. Agathe? Anastasie? Va donc voir dans quel état est notre chère petite Annabelle chérie. Dans quel état? Va, monsieur beau gosse s'impatiente, je tiendrai compagnie. Pourquoi toi? Faut-il te rappeler que je suis l'aînée? Ne fais pas de bêtises. Dites à mon Annabelle que je l'attends. Je reviens illico. Fil, adorable punaise. Ma vieille chérie. Agathe finira par sortir. Donc vous avez encore ici une didascalie, c'est-à-dire une indication de mise en scène qui vous indique les déplacements de personnages. Annabelle est la plus jeune, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous allez rire, Anastasie. Un instant, j'ai pensé que vous étiez sa mère. Et puis, non, sa mère est morte, n'est-ce pas? Vous êtes sœur totale ou demi-sœur? Alors, espérons qu'Agathe me la ramène vite. Annabelle ne m'avait jamais fait attendre. Jamais. Et aujourd'hui, bing! Aujourd'hui, vlan! C'est un jour, vous savez. C'est pas le jour, quoi. Vous avez peur? Oh, pas peur du tout. Qui trop se défend, se dénonce. J'ai peur d'être en retard à la mairie. Dans ma situation, ce serait très, très, très mal vu. Par votre mère? Ma mère. Non, votre mère, le patron de la mairie. Ah oui. Ne rissolez pas d'inquiétude. Je ferai en sorte que vous soyez à l'heure. Je le prends sur moi. Dans votre situation, il ne serait pas bon d'attirer l'attention. Non. On dirait que vous voulez vous marier à n'importe quel prix. J'ai oui. Votre prix sera le mien. Pardon. Si Annabelle ne vient pas, je vous sauverai. Je vous épouserai. Vous? Moi. Mais je suis fille aussi. Je veux ma fiancée. Êtes-vous en situation de dire « je veux » Franchement, oui. Je préférerais vous faire dorer, vous mijoter, puis vous croquer, mais vous êtes le dernier des fiancés, alors foin du plaisir, l'honneur avant tout. Je suis l'aînée, je dois me caser. Épousaillons-nous. Vous êtes une sacrée rigolote. Oui, j'ai cru que vous étiez sérieuse. N'ai-je pas droit au mariage? Avant même Annabelle? Si vous voulez entrer dans notre famille, commencez par le commencement. Épousez l'aîné. Je ne veux pas entrer dans votre famille. Je veux Annabelle. Êtes-vous en situation de dire « je veux » Qu'est-ce qu'elle a, cette petite grue? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Mon cœur, madame. Madame, avant de vous déguster, gentille godelureau, je vous arracherai les ongles un à un, je goberai vos yeux d'amoureux frit. Arrive Agathe. Ma sœur adore plaisanter. Ah oui? Elle est drôle, non? Drôle, oui. J'ai faim. Anastasie, n'ai-je pas droit à une petite satisfaction? Une tranche de louis rôti. Elle plaisante. Elle n'est pas très plaisante. Où vas-tu? Chercher ma scie. Anastasie, non, pas ta scie. Est-ce qu'Annabelle est enfin prête? Je ne l'ai pas vue. Quoi? Il se lève d'un bond, faisant reculer le fauteuil, apparaissent de minuscules escarpins blancs. Elle est sûrement sortie. Acheter de la réglisse. Elle était si nerveuse. Qu'est-ce que je vois là? Là, là,
Les chaussures d'Annabelle, n'est-ce pas? Ce pourrait bien. Il semblerait que ce soit. Mon Dieu, mon Annabelle, quels pieds! Elle a les plus jolis pieds du monde. Ravissant, si fragile, si petit, minusculesque. Des pieds nains. Posant un immense problème d'équilibre. Annabelle est ici. Oui, elle ne serait pas sortie pieds nus. Elle a des pantoufles. Elle peut être sortie en pantoufles. Mais nous avions rendez-vous et à présent il serait temps de partir pour la mairie. Annabelle vous pose un civet. Un lapin. Mais non. Elle a tellement peur du mariage. Annabelle, peur du mariage, vous délirez. Il y en a eu des fiancés déconfits par cette voie. Pardon? T'es pas le premier, Louis. Je serai le dernier. Quelle andouille. Elle les largue, ses fiancés. Ce n'est pas du tout ce qu'elle m'a raconté. Évidemment. Annabelle est plus belle que Franche. Normal. Elle est si belle. Belle, belle. Comme un mouton, oui. Un méchoui. Elle m'a dit que plusieurs fiancés avaient disparu, soudainement. Disparu? Soudainement. Oui, mais moi, je n'ai pas l'intention de disparaître. Oh, vous êtes fondant. Annabelle! Annabelle! Elle ne répond pas. J'en aurai le cœur net. Où court-il? Quelle toupet! Vous n'êtes pas chez vous. Louis est sorti. Tu as la clé? Bien sûr. Quelle sale surprise, dit. Nous qui étions si contentes, persuadées qu'Annabelle était enfin en panne d'amant, en jachère. Et elle nous concocta un mariage dans le dos. Elle lui a dit de venir ici, juste avant la bague, pour nous narguer. Ah, c'était ça sa surprise. Ouais. On a failli se faire. Se faire, oui, on a failli. Heureusement qu'il y a eu les incidents de cette nuit. Ouais. Ouvrir ton placard. Tu le lui avais bien interdit. Qui aurait pensé que cette sainte Nitouche... Crois-tu qu'elle nous soupçonnait? Il me plaît, ce beau gosse. Je le mettrais volontiers dans une marinade de vin rouge avec carottes, échalotes, gousses d'ail, branches de céleri, feuilles de laurier, clous de girofle et brindilles de thym. Et puis, dans la braisière, sur une couenne fondue. Pas de précipitation. C'est le dernier, tu sais. Mieux vaudrait l'épouser. Il est comme tous les autres. Fou furieux d'Annabelle. La liqueur, alors? Je ne vois que ça. Louis revient. Alors, pour conclure cette première lecture, j'aimerais que vous vous interrogiez sur les contes auxquels cette pièce de théâtre fait clairement référence dans ce début pour vous mettre sur la voie peut-être un indice. Ici, page 12, en haut de la page 12. Pourquoi me jetez-vous si fixement? N'ai-je pas sonné à la bonne porte? Cité des Merveilles, bâtiment 3, entrée B, 7e étage, porte bleue. N'est-ce point ici? Me serais-je gouré? Donc, encore une fois, la pièce de théâtre fait allusion très clairement à deux contes merveilleux au moins. Lesquels?